La conduite de balle derrière le bateau. D'abord dans l'eau et puis après sur le pont. Donc l'idée est d'améliorer tes compétences de technique ballon derrière le bateau. Donc tu alternes gauche-droite comme sur l'avant. Et puis après, une fois que tu maîtrises le mouvement, tu pourras passer à l'étape supérieure. Donc ça, c'est des situations qu'on peut rencontrer en match. Donc c'est important de s'y préparer. Après, là, on va essayer de jouer sur la précision, donc en ayant le ballon chaque fois qu'il touche le point arrière. Pareil, c'est pas très simple. Dans les formes de bateau, ce sera plus ou moins complexe. Mais une fois qu'on est habitué, on pourra jouer avec sa tranche de son bateau pour envoyer facilement le ballon de l'autre côté. Voilà. J'invite à regarder les autres vidéos en cliquant notamment sur les vignettes.